Bon, ben, ça a été la surprise parce qu'en entrant, on a vu que petit Louis était là. Hein. Voilà, et on commence par le traditionnel apéritif, hein, dans une bouteille de limonade aux extraits naturels de citron. Voilà. Et voilà l'entrée. Voilà, voilà. L'entrée. Comme d'habitude, avec boudin, charcuterie, jambon, saucisson, pâté. Et puis la salade de gésier traditionnelle. Voilà. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Alors, au menu, nous aurons des cèpes tout frais, cueillis du matin. Non. De la veille. Hein? C'est génial. Attendez, je les prends en gros plan. C'est pas fini, hein. Regardez ça. Depuis vendredi, je les ai achetés. Regardez ça, c'est magnifique. Hein? On a bien fait de venir. Ah oui. Oui, voilà. Ben, on a eu la surprise de vous voir. Hein? Ah, voilà. Hein? Vous me raconterez après, peut-être. Hein? Oui. Hein? Voilà. Alors, depuis quelque temps, dans le conflant, j'avais appris que Petit Louis à Espezel était fermé. Donc, moi et mes amis, on était désespérés. Hein. Et puis, j'ai appris que ça, l'établissement avait été repris et que c'était reparti. Alors, expliquez-moi ce qui s'est passé. On a eu plus ou moins des problèmes de santé. Et donc, avec Marcel, mon employé, on a décidé de reprendre uniquement le restaurant du lundi au vendredi à midi. Voilà, ceci pour tant qu'on aura la pêche. Voilà. Je m'appelle Pêche. J'espère avoir la pêche pendant longtemps. Voilà. Donc c'est reparti pour... Mais uniquement la formule du lundi au vendredi à midi. D'accord, lundi au vendredi. Et parce qu'avant, c'était toute la semaine. Avant, c'était toute la semaine. OK, donc vous prenez un week-end pour vous reposer. On prend le week-end pour se reposer. D'accord, c'est bien, c'est bien. Vu mon grand âge. Voilà, c'est-à-dire 71, c'est bien. Oh, ouais. J'ai le temps encore. 20 ans de plus, je prends la retraite. C'est bien, c'est positif. C'est un bel objectif. Voilà, ben merci beaucoup, petit Louis. Merci.